grande aventure avec la commissaire Florence Guenaugeois. On a l'habitude de travailler ensemble, donc elle m'a fait confiance sur la forme que je donnais au contenu. On a vraiment une relation de confiance là-dessus. Et comme souvent, la façon dont j'ai dessiné l'exposition aussi l'a aidé ou l'a incité à réorganiser un peu les thématiques de l'exposition parfois différemment, ou le contenu, de répartir le contenu. La scénographie, elle se veut à la fois contemporaine, ça c'était vraiment un point essentiel, donc pas nostalgique, pas dans les sépias, etc. Et moi, je situe toujours un peu mon travail entre une évocation et une représentation, c'est-à-dire que je fais comme une épure d'un environnement. Donc là, pour l'exposition Charcot, par exemple, on a un peu figuré l'univers des pôles, pôle sud, pôle nord, hein. L'univers marin, l'univers Neuillet au début, mais toujours dans l'épure, jamais en faisant des reconstitutions de décors ou des clins d'œil un peu trop faciles. Donc on est vraiment dans la traduction contemporaine d'un environnement, en l'occurrence naturel. C'est une exposition qu'on réalise à l'occasion des 150 ans de la naissance de Charcot. Bien sûr, pour retracer l'ensemble des facettes du personnage, à la fois le scientifique, l'explorateur et tout ce qu'il a laissé comme héritage et qu'il laisse aujourd'hui comme trace et comme patrimoine en fin de compte. Mais c'est aussi pour nous à Neuilly une fierté de mettre en avant un visage, un beau visage de la ville. On le fait régulièrement et les gens ne connaissent pas forcément ces personnages qui ont fait l'histoire et qui sont un élément d'appartenance de la ville de Neuilly. Donc c'est voilà, on partage cette aventure de l'Antarctique pendant quelques jours. On envoie à la population un signal de reconnaissance et d'appropriation derrière ce visage. Et puis, c'est l'occasion de partager des valeurs. Je l'évoquais il y a quelques instants dans mes propos, sur cette capacité à l'émerveillement. Et Charcot est de ce point de vue emblématique. L'émerveillement pour la géographie, pour la nature, pour la civilisation, pour l'être humain, au travers de sa vocation de médecin. Et donc, voilà, appeler la population, appeler les visiteurs à partager ce regard émerveillé sur le monde, comme l'a fait Charcot, c'est, je crois, une belle occasion d'amener ce témoignage. On a décidé d'organiser cette exposition sur Jean-Baptiste Charcot, qui porte le titre de l'explorateur légendaire, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Et on a justement pris le parti pris de la vie, alors qu'en septembre 2016, on a fêté les 80e anniversaire de sa disparition. Donc Charcot est un Neuillien, donc c'était un petit peu logique qu'il se retrouve honoré dans sa ville, au Théâtre des Sablons. L'enjeu était de montrer en fait le caractère pionnier de ce personnage, à la fois à travers un certain nombre d'activités, qu'elles soient sportives, marines, qu'il a pu pratiquer au cours de sa jeunesse. Et également un certain nombre d'éléments, je dirais des marqueurs historiques pour nous, autour de son engagement scientifique. C'est un personnage, il a une vie digne, je dirais, d'un héros de Jules Verne, avec rempli de récits d'aventures, d'audace, d'observations, de rencontres avec des peuples qu'on connaissait très peu à cette époque-là. Et Charcot va mettre tout en œuvre, après la disparition de son père, pour devenir un des plus grands explorateurs dans l'histoire mondiale de la recherche polaire. Donc c'est à la fois rendre hommage à un homme, à une forte personnalité, un pionnier des glaces, qui est donc effectivement une vie très qui pourrait être illustrée en roman de Jules Verne, et à la fois faire comprendre aux nouvelles générations qu'il y a des vrais enjeux et que justement cette exposition, elle est la cible privilégiée, ce sont les enfants. Il y a à peu près 2000 enfants qui vont passer, qui vont visiter l'exposition. Le programme est déjà établi, les classes sont réservées. Le but du jeu, c'est qu'eux, justement, comprennent ces enjeux-là.